Et bonjour à tous, ici BJ de retour pour une réaction à un clip de K-pop. Et aujourd'hui, ben, les comebacks qui s'enchaînent, c'est un truc de fou. J'ai même plus le temps de manger, j'ai plus le temps de dormir, c'est un truc de malade. Et là, c'est pas n'importe quel comeback, parce que c'est les Red Velvet qui, honnêtement, elles travaillent comme des fous. Je sais pas si elles veulent mettre de côté à donf pour prendre leur retraite plus tôt, j'espère pas, j'espère qu'elles vont continuer. Mais c'est comeback sur comeback, on va pas s'en plaindre. Et aujourd'hui c'est Oompa Oompa, qui me fait penser en termes de sonorité aux Oompa Loompa, je crois, de Charlie et la chocolaterie. En tout cas c'est un terme plutôt bonbon, plutôt coloré. Ça me fait penser, d'ailleurs on a vu quelques photos, encore une fois, à des fêtes, des parcs d'attractions. C'était déjà un peu le thème de la dernière fois, donc je sais pas s'ils vont rester sur ce type-là, zimzalabim. En tout cas, voilà, je vais réagir à Oompa Loompa pour vous, devant vous. On va y aller pas plus tard que maintenant, 3, 2, 1, s'bré. Alors elles sont dans des embouteillages. Oompa Loompa. Oh, toute rose vêtue, princesse magique. Ouais, donc là, je vais mettre pause, je m'en fous, je vais mettre plein de pauses. On dirait qu'elles partent en vacances, elles sont super heureuses, elles ont un max de bagages sur le toit. Dans une toute petite rue en maquette. J'aime bien le son d'air, Oompa Loompa. Commence par Seulgi. Le rose est la couleur du clip. Waouh, style cowboy en fait, j'adore, elles ont tout un style cowboy rose. Pourquoi il y a une tortue? Ah, c'est la tortue qui gêne la circulation. Putain, on est pas prêt d'aller en vacances. Lyrique et en glitter. Ça y est, elles arrivent chez Paki d'ailleurs. Irène là, elle a l'air d'avoir des... On dirait qu'elle ressemble à Wendy à ce moment-là, avec les yeux comme ça, bleu, je sais pas si c'est des lentilles ou pas. Et là, elles sont en train d'accueillir quelqu'un, elles sont à l'intérieur. Ah, c'est la première journée de leurs vacances et elles sont dégoûtées parce qu'il pleut. Oh, la plage! On dirait des maquettes, on dirait que c'est tout petit. Je vais essayer d'écouter parce que c'est les Red Velvet quand même. Mais elles ont pas déjà fait un summer hit là? Je sais plus ce qu'elles ont fait en fait. Et c'est original parce que c'est les seules qui font un summer hit où il pleut. C'est génial. Et pour l'instant, je suis plutôt rassuré musicalement parlant. Je suis même très rassuré, j'aime beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'elles vont faire? J'adore le son derrière. Bon, des cocktails à l'intérieur, on se démonte pas. Yeri, qu'est-ce que tu me fais? Elle a fait un coin 6, elle a fait 2-3. Elle joue au Monopoly sous la table. Ça me fait vraiment penser à la musique de la grande époque en termes d'enchaînement. C'est ses cheveux depuis le début là, Wendy, ou... Le fait d'être blonde sur les bouts, sur les racines. Non, pas sur les racines, sur les bouts, justement, sur les pointes. Oh, l'enchaînement un petit peu... J'ai pas envie de dire trap, mais qui a changé complètement de tonalité. Elles sont trop mignonnes. Bon, là, elles sont en train de fantasmer leurs vacances, je pense, dans ces moments où il y a la mer qui est faite par des sacs plastiques. Elles veulent du soleil, mais elles le fantasment, en fait. Elles sont dégoûtées. Joy en présentatrice météo. Elles ont toutes des lentilles bleues, on dirait. Petite high note de Joy, oui! La musique est super entraînante. Est-ce qu'elles sont pas en train de défoncer les summer hits? Une petite licorne, je crois que je t'ai pas vu sur la table là-bas. Ah d'accord, il y a carrément des fuites. Je vais faire une petite pause parce que il faut que je parle, je le dis à chaque fois, il faut que je commente. Mais je m'en veux moi-même de parler parce qu'en fait je peux pas vraiment écouter toute la musique et j'ai vraiment l'impression qu'elle me plaît beaucoup. Enfin j'ai l'impression qu'elle me plaît beaucoup de ce que j'entends. Mais comme je parle, je m'auto-empêche de bien écouter, ça m'énerve. Donc je vais revenir en arrière. Je vais revenir en arrière, je vais rien dire, j'en ai rien à carrer. Je vais écouter. Petite douceur, qui chante à ce moment-là? Parce qu'on voit Seulgi, mais là, non. Wendy, donc c'était Joy, bien entendu. Qui enchaîne avec Seulgi? Oh, un passage secret. Un passage secret qui mène vers l'espace où on peut faire de la balançoire, bien entendu. Oh! Elles m'ont eu, je croyais qu'elles allaient repartir, mais non, claquement de main! Mais attends, mais Irène, elle a un look qui est un peu différent, je trouve. J'arrive du mal à la reconnaître sur certains plans. Génial! C'est génial visuellement, c'est génial, je suis fan. Oh là là, les mouvements, aïe 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 aïe. Elles sont bienvenues, elles sont bienvenues. Qu'est-ce que c'est ça? Oh le son, j'adore les sons qu'elles ont retrouvé, des sons à l'ancienne je trouve.
Ça, on dirait pas Picaboo à la fin. Oompa Oompa Pa, et j'ai trop hâte de les voir dans des émissions et dans des showcases et tout ça, etc. Ça va être trop bien. The Red Festival, magnifique. Je flippais un peu parce que les Red Velvet, elles soufflent le chaud, elles soufflent le froid, elles font des trucs expérimentaux, on sait jamais sur quel pied danser. Et comme j'ai dit dans une précédente vidéo, même si j'aime plus ou moins bien les derniers titres qu'elles ont fait en termes de MV, je suis pas toujours satisfait, je préfère vraiment les off-track, les face B, etc. Et là, je suis super content. J'avais bien aimé leur truc anniversaire, mais c'était pas un truc assez spécifique, c'était une petite chanson très sympa comme ça, un peu funky. Celle-là, j'ai vraiment l'impression, bien que ce soit un summer hit et que je trouve que les summer hits, il y en a plein, plein de groupes les font, c'est très sympa, ça marche souvent très très bien, il y a pas de souci. Mais les Red Velvet, là, l'enchaînement des sons et le clip, ça me fait vraiment plaisir à l'ancienne. J'ai surkiffé, je suis sûr que je vais me le réécouter. Je sais pas ce que vous en avez pensé, encore une fois, c'est la fin. Mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Mais moi, il m'a mis du baume au cœur, il a marché encore plus que les autres Summer Hits. Je suis super content, ça me rassure. Alors, Oompa Oompa, il va falloir que je vais faire les recherches de mon côté, mais si vous savez, si vous avez déjà fait les recherches pour partager avec la communauté, mettez en bas ce que vous savez du terme. Qu'est-ce qui veut dire je crois que j'avais lu un truc sur, je crois que c'est le mot ou l'expression qu'ils utilisent pour apprendre à nager aux jeunes en Corée. C'est que c'est genre pour le rythme ou quoi, les maîtres nageurs, je crois que ça vient de me revenir. Et oui, donc il y a le fait de nager. En tout cas, elles étaient là à vouloir passer des super vacances qu'elles ont passées à l'intérieur. Il y avait des fuites, elles avaient des parapluies. Elles pouvaient jouer qu'au Trivial Pursuit et à des conneries comme ça. Et j'avais l'impression, quand on voyait qu'elles dansaient, qu'elles étaient au soleil, sur la plage, etc., que c'était des moments faux, fake, avec des décors extrêmement exagérés pour vous montrer que c'était peut-être un peu leur fantasme ou ce qu'elles voulaient faire, mais qu'elles l'ont pas fait. En tout cas, j'ai kiffé à tous les niveaux. Visuel, sonore, c'est magnifique, c'est génial, je suis trop content. Voilà, je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous car c'est le plus important, ciao.